Cinquième jour de la neuvaine. Notre-Dame, prophète, donne les moyens d'être sauvés. Notre-Dame dit à Mélanie et à Maximin, avant que la famine vienne, les petits enfants, au-dessous de 7 ans, prendront un tremblement et mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. Les autres feront pénitence par la famine. Les noix deviendront vides. Les raisins pourriront. Lors de votre apparition à la Salette Marie, vous portiez une croix ayant les instruments de la Passion. Par les tenailles, vous nous invitez à offrir nos souffrances en réparation pour le mal que subit Jésus. Par le marteau, vous nous rappelez que nous continuons à crucifier votre Fils. Pourtant, Jésus est allé jusqu'à la croix, pour que jamais nous ne soyons séparés de lui. Combien de fois, par nos calomnies, nos médisances ou nos manques d'amour, nous le crucifions à nouveau. Vous étiez si belle à la Salette, Notre-Dame. Mélanie et Maximin nous ont relaté l'incroyable beauté de votre visage, la douceur de votre regard et la simplicité de votre vêtement. Votre rayonnement touche les cœurs les plus endurcis et vous nous rappelez qu'il faut revenir à l'essentiel. L'amour n'a pas besoin d'artifice pour s'ouvrir et semer la bonne odeur de Jésus-Christ. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, faites-nous participer à l'œuvre rédemptrice de Jésus par une conduite juste, pacifique et charitable. Conduisez-nous au repentir, prenez avec vous tous les enfants morts, surtout ceux qui n'ont pas été baptisés. Reprenons les prières quotidiennes. Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère de douleur, des larmes que vous avez versées pour moi sur le calvaire. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi, afin de me soustraire à la justice de Dieu. Et voyez, si après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimée par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds. Malgré mes infidélités et mes ingratitudes, ne repoussez pas ma prière, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-moi. Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte pour que je puisse un jour vous voir au ciel. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Partageons ensemble les litanies de Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, Vierge, Mère de Dieu, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, Mère du Christ et Mère des hommes, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, Messagère de l'Alliance Nouvelle, priez pour nous. Vous qui brillez de la clarté de Dieu, priez pour nous. Vous qui apparaissez comme une humble servante, priez pour nous. Vous qui pleurez sur vos fils infidèles, priez pour nous. Vous qui nous délivrez de toute peur, priez pour nous. Vous qui nous rappelez la parole de Dieu, priez pour nous. Vous qui portez les chaînes de nos injustices, priez pour nous. Vous qui nous éveillez à nos responsabilités, priez pour nous. Vous qui nous présentez le Christ crucifié, priez pour nous. Vous qui nous engagez à préparer son règne, priez pour nous. Vous qui nous précédez au chemin de nos croix, priez pour nous. Vous qui conduisez au Christ ressuscité, priez pour nous. Vous qui êtes parés des roses de la gloire, priez pour nous. Vous, la femme vêtue de soleil et d'étoiles, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, fille du peuple de Dieu,
Mère du seul Seigneur à qui tout est soumis, priez pour nous. Vierge debout près de la croix du Fils, priez pour nous. Femme attentive à ceux qui sont abandonnés, priez pour nous. Prière vivante qui ne cesse d'intercéder, priez pour nous. Amour si fort que nous ne pourrons jamais récompenser, priez pour nous. Mère, parmi tous nos travaux, nous oublions de sanctifier le jour que Dieu s'est réservé. Priez pour nous. Mère, nous avons méprisé le nom de Jésus, votre Fils, le seul nom qui peut nous sauver. Priez pour nous. Mère, nous avons gaspillé tant d'énergie à rechercher les biens de ce monde qui passe. Priez pour nous. Mère, nous laissons nos raisins pourrir et nos blés tomber en poussière quand des enfants meurent de faim. Priez pour nous. Mère, nous n'avons pas su voir qu'au-delà de vos désespoirs, votre Fils est notre espérance. Priez pour nous. Mère, convertissez nos cœurs pour que nous construisions la paix dans la justice et dans l'amour. Priez pour nous. Mère, apprenez-nous à demander au fil des jours et des semaines le pain de la Pâque nouvelle. Priez pour nous. Mère, apprenez-nous à partager aux affamés un pain de vie qui révèle l'amour du Père. Priez pour nous. Mère, nous voulons faire passer à tout votre peuple dispersé la joie de la bonne nouvelle. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. À l'heure de ta mort en croix, Seigneur Jésus, tu as voulu que nous devenions avec toi, fils de la Vierge Marie. Par sa foi inébranlable, sa prière incessante et son attention maternelle, qu'elle nous conduise à ta suite jusqu'à la gloire de la résurrection, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.